Un beau bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à cet ange. L'ange numéro 25, Nithaya. Le premier ange gardien au service de Yézédiel, Jupiter. Il représente le visage uranien de l'archange. Il régit les mêmes énergies que l'ange numéro 11, Lovia, mais dans un sens inversé. L'ange numéro 11, Lovia, plaçait l'amour uranien dans la richesse jupitérienne pour produire la célébrité, tandis que l'ange Nithaya place le pouvoir jupitérien dans l'amour uranien pour produire la magie blanche, c'est-à-dire la maîtrise, la domination des forces spirituelles. Par cet ange gardien, la personne aura à son service des entités spirituelles pleines d'amour. La volonté émane des mondes spirituels et donc ce gardien accorde à ses protégés le pouvoir de dominer toute chose, toute situation. La personne aura surtout la possibilité de bien se loger car Nithaya aime la paix et le silence. Prière à l'ange Nithaya. Ange Nithaya, fais qu'en moi ta lumière soit solide comme un rocher. Fais que mes ambitions soient vastes, non pas pour m'imposer chez mes frères, mais pour refléter en eux tes divins pouvoirs. Permets-moi de voir ce que tu caches au regard profane, profanateur. Aide-moi, ange Nithaya, à maîtriser mes tentations, à dominer mes pulsions. Fais que mes efforts soient agréables à l'éternel maître des mondes. Fais aussi que j'utilise les dons et les pouvoirs que tu m'accordes, non pas pour gonfler ma vanité, mais pour produire richesse et vertu pour tout et ainsi faire progresser l'œuvre divine de la création vers son réel objectif, la fidélité universelle, le bonheur. Merci avec toute ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.